jamais goûté à lui, que c'est un abricot. Il paraît que les flots au Québec. Ouais, mais c'est pas la même chose. Non. Nice. On va aller découvrir ça. Aujourd'hui, on essaie un nouveau fruit qu'on s'est fait donner par voilier le torieux. On dirait que c'est comme une orange. Mmh. Faut l'éplucher, ça a l'air. Ben, c'est plus super bien. C'est le verdict. C'est bon. C'est bon. C'est quoi? Un peu comme une orange. Mais moins prononcé. Ouais. On est venu à bout du fruit, puis finalement, il y a comme trois noyaux dedans. Des gros noyaux. C'est vraiment le fun de découvrir des nouveaux fruits, découvrir des nouveaux trucs. Merci à la famille du Torieux pour cette belle découverte. On est à 11 mi-temps depuis hier, puis c'est déjà le moment de quitter. On a fait du paddleboard ce matin, Amy puis moi, puis Patrice, lui, nageait. Il y a des beaux lagunes là-bas protégées avec de l'eau super claire. La plage était vraiment belle. On a passé un beau moment. Mais là, on quitte aujourd'hui après seulement une journée ici parce que ça, c'est vraiment cool, vraiment spécial. On quitte aujourd'hui parce que on s'en va rencontrer notre tout premier Patreon. Le premier là, qui nous a trouvé. En plus, ça, c'est vraiment spécial. Avant même qu'on le publie sur notre page Facebook, il a juste tenté de faire la recherche puis il a vu qu'on avait un Patreon, mais j'étais en train de monter la page. Donc, on l'avait pas affiché encore. Puis on a eu tout de suite un nouveau Patreon. On était comme « Ah! » Fait que c'est vraiment spécial. Puis ils nous suivent depuis. Puis là, ils sont ici avec leur propre voilier dans la baie juste à côté. C'est des Français, une petite famille de quatre. Puis on s'en va les rencontrer. Fait que c'est vraiment excitant.
bon souper, on a attrapé 6 lions. Puis on a essayé le tarpon pour la première fois, ça va vraiment bien. C'est quand même creux ici, là. Il y a du 30 pieds, mais il y a beaucoup de lionfish. Donc une fois que ça fait 30 minutes qu'il est mort, les épines ne sont plus venimeuses. Mais sinon, normalement, c'est ça qui est venimeux. Il y en a d'autres ici. Ça, c'est venimeux aussi. Ceux-là, ceux-là. Mais quand ça fait plus de 30 minutes, c'est pas dangereux. Donc, vous pouvez les couper si vous voulez, là. On est à Grand Anse. On est allé faire un snorkeling. On vient d'arriver. L'eau est tellement claire ici. On a vu des poissons qu'on n'avait pas vus encore. C'est vraiment des beaux coraux. Il y a plein de calmars. On a vu une tortue. Et à date, là, c'est dans nos top 3 de snorkeling qu'on a fait jusqu'à maintenant. La Martinique en général, c'est vraiment, vraiment beau. On va s'y plaire. On s'en va chez nos amis qui ils nous ont préparé des crêpes. C'est cool, hein? Ça en mange des crêpes. Super beau mouillage, c'est vraiment bien. Quand tu veux mettre le moteur. Je voulais juste me remonter un peu, puis j'ai tombé entre le hauban puis le pont. Puis regardez ça, la pop que je me suis faite. Je suis tombée juste ici. C'est le hauban, là. J'ai tombé la jambe. J'ai glissé ici. Puis la jambe, c'est le hauban qui a frotté sur ma jambe qui a fait le beau bleu. Mais là, une amie qui m'a justement vu glisser, elle est tout de suite retournée à son bateau. Puis elle est allée me chercher des huiles essentielles. Ça a l'air que c'est vraiment bon pour les blessures, pour les bleus, les ecchymoses. Ça s'appelle Helichryse. C'est bio. En tout cas, j'ai mis quelques gouttes dessus, puis ça a l'air que ça va vraiment aider à guérir. Ma troisième blessure à bord. La première, c'est on l'avait pas filmé. C'est au tout début, j'avais glissé encore sur le pont, puis mon talon il avait rentré sur un truc de métal qui dépasse. Ça avait vraiment rentré dans mon talon. Ma deuxième blessure, ça je l'avais filmé, c'était ma poc dans le front quand le hatch m'a fermé sa tête, puis je me suis cognée en avant. J'avais une grosse bosse. Ça c'est la deuxième, puis aujourd'hui la troisième. Fait que c'est quand même des blessures très mineures, là. On est vraiment chanceuse. Puis Amy, sa seule blessure, c'est ma brûlure. Sa brûlure. Elle s'est brûlée en faisant des biscuits. J'avais les deux mitaines, mais ça m'arrivait, ça a dépassé un peu. Ouais, elle avait les deux mitaines, mais elle a vite collé sa peau, puis elle a une bonne brûlure, là. Puis au début, je pensais que c'était vraiment mineur, fait que j'ai même pas vu ma bosse. Mm. J'ai juste commencé à serrer les trucs. Je suis allée à ma chambre, je continuais. Ça a commencé à faire quand même assez mal. J'ai regardé, puis il y a une grosse chose. Mm. J'ai réagi vite, j'ai mis de la glace dessus. Ouais. On est pas mal chanceuse. Pat, tu t'es pas fait mal? Non. Pat, tu t'es pas fait mal à date. Bon, fait 3-1-0. Ouais. La grande marina du Marin peut accueillir jusqu'à 830 bateaux à quai. C'est le plus grand port de plaisance de la Martinique et l'un des plus grands des Caraïbes. Il y a plusieurs épiceries accessibles à des guets. C'est parfait pour nous qui vivons sur l'eau. La meilleure épicerie côté qualité-prix, c'est Leader Price, où on a trouvé des prix similaires au Québec. Faut que tu pèses tous tes légumes, tous tes fruits, puis ça, tu les sélectionnes dans l'appareil, puis ça va sortir une étiquette que tu colles sur... Fait là, c'est vraiment long, puis on n'a pas toute l'après-midi à passer là-dessus, là, puis il y avait une ligne derrière le monsieur. Tout le monde le regardait avec les yeux dans les airs, pauvre monsieur. On va revenir... Ben oui, il veut manger des fruits, le pauvre lui. C'est comme dans le film Zootopia, je sais pas si vous avez vu, là, mais le paresseux là, qui est à la caisse, là, puis il est super lentement à faire ses mouvements. Mais il avait l'air de ça, le pauvre monsieur, il n'est pas habitué avec la technologie. Fait qu'on va revenir soit très tôt le matin à la première heure, puis on va passer en premier. Mais il y a juste une machine en plus. Mettez-en plusieurs à disposition. Là, les gens, ça fait la queue pour peser leurs fruits et leurs légumes. Puis là, ils pèsent ça, « delete » sans faire exprès. Là, ça marque « are you sure to delete? » Là, tout le monde « yes! » Il faut qu'il recommence à zéro. Là, ça serait comme qu'il retourne en ligne, monsieur. Là. Ah, pèse tous tes fruits, tous tes légumes. Oh non! Non, mais tu sais, il rendait son dernier, mais là, il pince un mauvais fruit. Là, il est comme, oh, bat.
Mais le bac, tu sais, ça se délite tout ce que ça fait. Erreur 401. Tu sais. Vous reconnaissez ces sacs? Eh oui, ce sont les donations que le voilier When Sailing avait préparées pour les gens affectés par le volcan de Saint-Vincent. On a aussi rajouté quelques sacs de jouets et linge qu'on avait à bord d'Atypique. C'est aujourd'hui qu'on livre la marchandise à l'organisme qui s'occupe de l'acheminement à Saint-Vincent. Mission accomplie! C'est maintenant le temps d'aller explorer le petit village de Sainte-Anne. Donc aujourd'hui, c'est la fête des pêcheurs, des marins pêcheurs. Il y a de la musique partout, belle ambiance. On est venu se réfugier pour un instant parce qu'il pleut à verse. Oui, il n'y a même pas ça se faire mouiller. On est venu se faire protéger. C'est en train de passer. Voici les noms prévus pour les ouragans dans l'Atlantique en 2021. Je vous parle de ça parce que regardez ce qui s'en vient possiblement sur nous. La tempête tropicale Elsa. C'est donc la cinquième de l'année 2021, jusqu'à maintenant. Ouais, là, ça serait la N95. Elle n'est pas censée se développer parce que tous les éléments sont contre elle. Le sable du Sahara est désorganisé. Mais elle pourrait toujours changer, donc il faut être prêt. Fait que là, en ayant Atypique... plein d'essence, plein de diesel, plein d'eau. On va aller faire une bonne épicerie. On va être en stand-by dans le marin. Fait que si elle ne monte pas, on reste au marin. On est capable de prendre des vents de 50, 60, jusqu'à même 100 km/h. Mais si elle avait tendance à se transformer en ouragan catégorie 1, on quitterait 48 heures à l'avance vers le sud. Puis là, on descendrait vers Grenade en faisant des checkpoints à chaque fois puis en regardant comment est-ce que sa courbe est prononcée vers le nord. Puis automatiquement, on serait hors de danger, on arrêterait notre descente du sud, puis on retournerait sur nos pas, on reviendrait en Martinique. Ça va être ça notre stratégie de la saison des ouragans. On joue au chat et à la souris. Il y a plein de bateaux ici, donc on n'est vraiment pas les seuls à faire ça. Là. C'est même un endroit quand même assez au sud que plusieurs personnes laissent leur bateau ici pendant le temps des ouragans, puis quittent en avion. Donc, mais nous, puisqu'on vit à bord, c'est sûr qu'on ne prendra pas la chance qu'un ouragan passe sur nous. Là. Non, c'est clair, on va sauver. C'est le mouillage jusqu'à maintenant qu'on a vu le plus de voiliers. Ouais. Juste ici, nous venons à 500, on est à Sainte-Anne. Ouais. Juste à Sainte-Anne, il doit avoir quoi? 500, plus dans le marin, un autre 500, facile. Dans le marin, il y en a vraiment beaucoup. Il y a du bateau ici.
on va vous montrer. Ouais, on rentre ça ce matin. Ouais. Puis, petit café, puis on y va vers avec ça. Ma jambe qui est pas encore optimale, là, je vais boiter un peu, mais bon. On va s'en sortir, c'est une guerrière, guys. C'est une guerrière. Merci à vous tous d'avoir été parmi nous cette semaine et un merci tout spécial à nos Patreons qui nous aident depuis le début et à nos nouveaux Patreons cette semaine qui sont Bazzi Family, Jean-Philippe Soucy, Sophie Vizina et Voilier Faraway. Merci! Il est vraiment sérieux, hein? Oh my God, I'm La semaine prochaine, on prépare Atypique et on affronte notre premier ouragan de l'année 2021, Elsa. À la prochaine! Je veux dire, OK? Mais qu'est-ce que tu veux dire, Amy? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il y a, Twin? Tu veux aller en dinghy, baby? Ouais, les mots que je voulais entendre! On va en dinghy explorer! Allez, venez! Le dernier dans le dinghy, c'est une poule mouillée!